Baby's on fire. Better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire. And all the laughing boys are pitching, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Rescuers, row, row. Do your best to change the subject. Blow the wind, blow, blow. Get some assistance to the object. Photographer's snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience is necessary for her learning. If you'll be my godson, I could be half a man I used to. They said you were hot stuff, and that's what baby's been reduced to. Questions that I want to ask shouldn't take long. From the moment Brian Slade stepped into our lives, nothing would ever be the same. It doesn't really matter much what a man does with his life. What matters is the legend that grows up around him. I can make you a star. Salut à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo d'État critique. Ce matin, je me suis levé et je me suis dit qu'il manquait un petit truc dans mes vidéos. Un soupçon de musique. Aussi, pour pallier ce manque, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de vous faire aujourd'hui une chronique un petit peu spéciale autour d'un grand film musical. Mais avant ça, parlons musique donc. Le glam rock, ça vous dit quoi? Vous savez, c'est ce mouvement musical qui a jailli au Royaume-Uni pendant les années 70. C'est un genre précurseur au punk, une espèce de rock'n'roll alternatif qui se caractérise par un aspect assez spectaculaire et excentrique. David Bowie, Gary Glitter, Lou Reed, The Runaways, Roxy Music, T-Rex et j'en passe ont été les principaux acteurs de ce mouvement musical avec des tubes archi connus comme Life on Mars de David Bowie tiré de l'album Ziggy Stardust. D'ailleurs, je parle de David Bowie, mais c'est lui qui est véritablement l'incarnation du glam rock, notamment grâce à ses tenues haut en couleur avec les paillettes, le maquillage outrancier et les talons hauts. Le glam rock est un style musical qui n'a pas duré très longtemps, 4-5 ans à peine, mais qui a marqué la scène musicale par la force de sa singularité. Laissant des traces indélébiles dans le temps, il paraît presque évident que quelques années plus tard, un film lui soit entièrement consacré. Il s'agit de notre film du jour. Aujourd'hui au programme donc du vinyle, des paillettes, des chansons cultes, une immersion totale dans la musique, je veux bien évidemment parler du beaucoup trop méconnu Velvet Goldmine, sorti en France le 9 décembre 1998, réalisé par Todd Haynes qui signera quelques années plus tard I'm Not There, film qui retrace la vie de Bob Dylan, au casting des méga têtes d'affiche, mais qui en 1998 n'étaient pas encore les superstars d'aujourd'hui, Ewan McGregor, qui tourne encore essentiellement au Royaume-Uni à l'époque, Jonathan Rhys-Meyers, qui n'a pas encore joué dans le film qui le fera connaître, à savoir Chevaucher avec le diable de Ang Lee, Christian Bale, qui n'a pas encore joué dans American Psycho, qui fera de lui une star, et Toni Collette, qui commence à se faire connaître après le succès de Muriel, sorti en 1994.
Sans transition, de quoi parle notre film du jour ? Velvet Goldmine retrace la vie d'une star fictive du glam rock. Brian Slade, joué par Jonathan Rhys-Meyers. Très talentueux et surtout très connu, Brian Slade, au sommet de sa gloire, va être victime d'un attentat qui va provoquer sa brutale disparition de la scène. 10 ans après, un journaliste, ex-fan de la star, joué par Christian Bale, va enquêter sur la vie de l'artiste pour savoir où il est et ce qu'il est devenu. En pénétrant dans le passé de Brian Slade, le journaliste va pénétrer dans un univers musical à la fois magique, démesuré, excessif et dangereux. Ce qui est important de rappeler avant de débuter une critique sur un film comme Velvet Goldmine, c'est qu'il n'est pas le premier à explorer le style musical du glam rock. The Rocky Horror Picture Show ou encore Phantom of the Paradise ont ouvert la voie avant lui, et le film The Runaways, sorti en 2010, a de nouveau ramené le glam rock dernièrement dans les salles de cinéma. Néanmoins, Velvet Goldmine constitue ici probablement le témoin le plus fidèle de ce style musical, car en plus de nous montrer en quoi consiste le glam rock, le film de Todd Haynes effectue une critique intelligente de ce genre disparu. Velvet Goldmine, c'est avant toute chose une profonde immersion. Nous pénétrons de plein fouet dans un univers complètement décalé aux tonalités décadentes. Todd Haynes réussit dès les premières secondes de son long métrage, et ce jusqu'à la dernière image du film, à distiller à l'écran l'atmosphère incroyable qui régnait à cette époque autour du glam rock. Le film date de 1998, pourtant on a l'impression qu'il nous a été ramené de 1972. Le réalisateur parvient avec beaucoup d'efficacité à imposer une identité graphique intense à son long métrage grâce à plusieurs facteurs. Le premier qui me vient à l'esprit lorsqu'on fait un film sur un style musical, c'est d'abord la musique. Dans Velvet Goldmine, que des tubes incroyables, parfaitement originaux pour certains, reprises pour d'autres comme Babies on Fire ou Sebastian. La plupart des chansons sont interprétées par Jonathan Rhys-Meyers himself, qui démontre pour le coup un vrai talent de chanteur. Ces chansons sont très marquées de l'empreinte glam rock de par leur mise en scène hyper stylisée. De même, le film est coupé par moments de longs passages musicaux intenses comme le clip de la chanson Tumbling Down ou Ballad of Maxwell Demon. L'aspect musical de ce film est donc parfaitement rendu, de manière à la fois fidèle et efficace. Intéressons-nous maintenant au reste. Deuxième point à suivre, le scénario. L'intrigue nous entraîne dans une pure histoire de fiction au cœur d'un univers qui a réellement existé. L'idée de se dire que Brian Slade n'a pas existé alors que le film est censé restituer un univers musical qui a parfaitement existé peut inquiéter. Pourtant ici, la crédibilité de l'intrigue est totale. Brian Slade est ouvertement inspiré de David Bowie, que ce soit dans la vocalise que dans la mise en scène de ses concerts. Il est impossible de dissocier les deux. D'ailleurs, si on observe le film de cette façon-là, Velvet Goldmine apparaît presque, à quelques détails près, comme une biographie non officielle de la période glam rock de David Bowie. Quelques détails près, car la destinée de Slade n'est absolument pas la même que celle de Bowie. Le personnage de Kurt Wilde, joué par Ewan McGregor, est également fictif et librement inspiré de Iggy Pop, à l'époque fraîchement séparé des Stooges. Notons par ailleurs que Brian Slade et Kurt Wilde font des concerts en duo à l'image de la tournée qu'ont effectué Iggy Pop et David Bowie à l'époque. Pour les noms des artistes fictifs, voyez également des références. Par exemple, Brian Slade tire son nom du groupe glam Slade. Dans ce film, la fiction s'entremêle à la réalité avec une telle crédibilité qu'on a l'impression que Brian Slade a vraiment existé et que si l'on va chez un disquaire, on aura la possibilité de trouver le vinyle de Ballad of Maxwell Demon dans les bacs. Bref, ici, inutile de faire un tableau, le scénario entretient une profonde cohérence avec son sujet de base, l'enquête de Christian Bale est ponctuée de flashbacks sur la vie tumultueuse de Brian Slade, ce qui nous amène à un enjeu final qui est de souligner la flamboyance et la déchéance d'un style musical qui a brisé des artistes là où il a fait d'eux des stars. Avec une telle colonne vertébrale, il importe peu finalement que les artistes soient réels ou fictifs. Autre point à souligner, évidemment, c'est la mise en scène. Todd Haynes garnit son film de référence à Oscar Wilde, qui est d'ailleurs vu ici comme un ancêtre du glam rock. Son œuvre est très souvent citée et des éléments du film se réfèrent régulièrement à la vie de l'auteur. Par contre, la structure narrative du film, elle, est ouvertement inspirée du film Citizen Kane d'Orson Welles. Todd Haynes dote son long métrage de références solides et mêle cela à sa propre expérience de réalisateur. Réalisateur, rappelons-le, qui a fait ses preuves dans la réalisation, entre autres, de clips vidéo. De plus, il réunit des acteurs tous aussi talentueux les uns que les autres dans des rôles parfaitement calibrés pour chacun d'entre eux. Ewan McGregor, par exemple, signe ici une performance remarquable dans le rôle de Kurt Wilde, dont le look fait évidemment penser à celui de Kurt Cobain. En conclusion, fans de glam rock ou pas, je vous recommande absolument ce film. Pour ma part, avant de voir ce film, je n'y connaissais rien du tout à cet univers musical. Je m'y étais absolument pas intéressé. Néanmoins, j'ai pu tout de même apprécier ce film à sa juste valeur.
Tout ça pour dire qu'il n'est pas inaccessible si on n'a pas un pied dans l'univers musical glam rock. Velvet Goldmine constitue à la fois une porte d'entrée aux non-initiés, tels que moi à l'époque où je l'ai découvert, et un apport supplémentaire de poésie et de musique aux personnes fans du genre. Le film de Todd Haynes est un hommage évident sur fond de fiction à un style musical qui a disparu aussi vite qu'il est apparu, mais dont l'influence a marqué à tout jamais l'histoire de la musique contemporaine. Doublé d'un scénario magnifiquement écrit et mis en scène, et porté par des acteurs remarquables, Velvet Goldmine est devenu avec le temps un film culte. Alors je sais que le DVD est assez rare à trouver, mais franchement, dès que vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo critique. En attendant, bye bye, allez au cinéma et à la prochaine! Got no-